Salam Séan! Ouais, voici Captain Fleur, c'est plus qu'une son nom de champion, mais ça se retrouve pour une nouvelle aventure sur essai de jeu. Ce jeu est une expérience. Concrètement, c'est une petite expérience. Le jeu se nomme Home. Ça, c'est la maison. Mais, dans le fond, c'est comme la vie. C'est vraiment ça. Pourquoi je fais ce jeu-là, par contre? Le jeu est gratuit, je vous le dis tout de suite. Mais ce jeu, j'étais à une convention. Puis cette convention se nomme Megamix. Je suis allé quelques heures dimanche. Et j'ai. Pendant que je faisais le tour de Megamix, la convention, j'ai été attiré par ça. Parce que au début c'était un prototype. Non, ce n'est pas un prototype, mais c'est pas la version finale. J'ai parlé de ça. Puis c'est comme une petite expérience, tu peux faire ce que tu veux. Mais pour là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous laisser l'immersion. Je vous laisse.
du faux entrepôt, du faux. La façon qui marche, on dirait des escargots. En plus, c'est des faux ronds, c'est des escargots. D'escargots pichot. Mais la différence, ça saute. C'est pas pire quand même. Je vais dire mes avis par rapport à ce jeu. Premièrement, c'est pas pire. Je vais être honnête, bon, c'est pas le meilleur jeu au monde, on s'entend là. C'est une expérience, mais qui montre c'est quoi la vie dans le fond, c'est en général. Que voulez-vous? Et une affaire par contre qui est dommage, je pourrais dire ça de même. C'est sûr, côté expérience, c'est correct. Musical, cherchez le terme. Côté musical, à chaque fois on avance, il y a une progression musicale. C'est fou. Donc une progression musicale. De chaque action a un impact vers la fin. Ça, c'est indéniable. Un point, si je pourrais dire un point négatif sur ce jeu, j'en ai un. Juste avant le point négatif, j'ai un autre point positif, un peu positif, le graphisme. Ok, même si c'est simple, sauf que tu peux. La simplicité est parfois la meilleure affaire. Quand c'est un graphisme simple, mais efficace, parce que c'est beau. Simple mais beau. J'avais remarqué une affaire dès que j'avais vu là, on s'entend. Ça me faisait penser à un jeu. BC's. La face, le format. C'est comme ça me faisait penser à BC's. Mais c'est pas BC's je pense tout. On s'entend. Mais le format de niveau, c'est comme BC's. Et mon point négatif, c'est. C'est sûr que c'est une expérience, mais il manque un peu de contenu. Même si. Le contenu est réduit, donc je trouve que je comprends tout qu'est-ce que pourquoi les développeurs ont fait ça parce que je me suis informé, mais il manque un petit quelque chose, il manque un peu de contenu. Ouais, c'est un peu vide niveau contenu. Je parle pas histoire parce que l'histoire tout pendant tout le long on nous ramène. Mais qu'est-ce qui est plat dessus? C'est dommage. On rencontre le chat, on rencontre une fille. Après ça on s'en va au niveau suivant. Mais aucun des. Après ça. Le chat et la fille ne suit plus. Ça aurait tellement été bien de se rendre avec le chat. La fille jusqu'à la maison, du moins jusqu'au niveau suivant, je sais pas, ça c'est mon avis, tant qu'à nous suivre, aussi bien nous suivre jusqu'au bout. Ça par contre j'aurais aimé ça, je vais être honnête avec vous, j'aurais préféré qu'ils nous suivent jusqu'à la maison. L'autre chat, le deuxième qu'on trouve, je veux dire, dépasser les limites, aller en arrière. Hein? Il y a un autre chose. Eh ben. On va le pogner. C'est ce que j'ai fait. Je savais déjà. Pour vous dire, cette vidéo-là, je le fais, je sais déjà. C'est simple, si vous prenez toutes, de sélectionner tout le monde va être dans la maison. Tout le monde, sans exception. Et si vous sélectionnez tout, la première place, c'est simple. Ça va avoir un texte différent. Probablement si on sélectionne un ou si on sélectionne différent dans celle-là, où on voit la classe, tout ça, on voit l'école, après ça on va au travail. Mais à l'école, je pense à ça que ça a une influence au niveau suivant. Parce que c'est pas le même texte hein, entre. Je sais pas tester là. Mais c'est pas le même texte. T'as le travail. Après ça le travail. Tu t'amuses, tu trouves un chat, tu t'amuses. Après ça, tu vois un sans-abri, tu l'aides. Il pense au futur. Mais en même temps, c'est un message, je trouve. C'est vraiment un message.
Bah, le côté nature, c'est penser à l'environnement pour penser au suivant. C'est vraiment ça que je pense qu'ils veulent démontrer comme message. Après ça, t'as la fille. Après ça, t'as la maison. Ah non, t'as le labyrinthe. En gros, je vais appeler le labyrinthe. Et après ça, t'as la maison. Dans le fond, c'est ça. C'est la vie, mais sous un jeu. Puis d'une façon expérience. Bon, ça, c'est tout pour moi, c'est tout pour mes critiques. Je suis satisfait de ça. Je savais à quoi m'attendre, de toute façon, même avant de jouer. Parce que j'avais vu un peu. Sans ça. Alors pour ça, et c'est pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'ICE. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet, le lien sur le panel de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, surtout pour une nouvelle aventure. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.